Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui enfin on va s'intéresser à notre ami Honda, nouveau commandant légendaire. Que vaut-il avec plein de rapports? Les events de Thanksgiving qui viennent de pop également, mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, comme d'habitude bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. Le premier lien en description de toutes les vidéos. Et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, les amis. Commençons tout de suite par les events. Donc ça a pop comme prévu, hein, avec les récompenses de recharge. Donc les deux choses dont on n'avait pas parlé encore en début de semaine, c'est la prime de saison, ce pack événementiel hein, qui vous permet d'avoir des tartes aux framboises et des cuisses de dinde principalement. Le reste, bien évidemment, ça fait plaisir. Mais le cadre, la plaque de nom, on s'en tape de ouf. Hein. C'est vraiment pour les cuisses et les tartes aux framboises en général qu'on le fait. Et surtout, la récompense de recharge. La récompense de recharge, c'est vraiment de la balle. Si vous avez des achats à faire, je vous le rappelle, pour aller jusqu'aux 5 niveaux, c'est à peu près, c'est 2500 gemmes, donc c'est 15 euros par jour. Ça fait 75 euros à investir dans le jeu. C'est une somme, mais là, pour le coup, si vous devez le faire, c'est le moment où le faire. Et puis sinon, vous pouvez faire qu'une ou deux recharges ou pas de recharge du tout. Ça marche aussi. En revanche, sans acheter le pack prime de saison, ça va être très tendu d'avoir suffisamment de tartes aux framboises puisque je vous le rappelle, hein, tout un event saisonnier sur deux, ce n'est pas la deuxième file à 7000, c'est le store. Et pour aller sur le store et faire des achats et vider le store surtout, eh bien, il faut de la tarte aux framboises. J'essaye de retrouver où est ce store, où il est. On a la faillite de la faillite de la marchande d'Esmeralda. Bah, le store, non, il n'est pas là. Le store, mais il est là, cadeau de Thanksgiving. Et vous le voyez, hein, sans tarte à la framboise, vous ne pourrez pas tout avoir. C'est impossible, évidemment. Donc, ça passe par l'achat des packs. Alors, je crois que c'est impossible. Hein. N'hésitez pas à me contredire en commentaire si vous avez déjà réussi à plier le store sans acheter un seul pack. On a aussi, comme d'habitude, hein, les autres events qui ont pop. Donc, je suis passé rapidement. On a toujours la roue de la chance. Je vous le rappelle, la roue de la chance, c'est le dernier jour, 17h26min17s très précisément. Il faut aller au 10 tours si vous le pouvez pour avoir Honda. Alors Honda, on va aller le débloquer. Oh, j'ai cru que j'allais avoir 8 sculptures, comment j'ai cru que c'était la fête. Un accélérateur, je fais le tour à 50% et je vais faire 5 lancers. Ça fera un total de 11 tours. Vous savez, j'ai eu qu'une sculpture, hein. Ça fait que là, j'ai vraiment des tirages moisis. Il faudrait qu'il m'en donne un petit peu pour que je puisse le débloquer directement. Toujours pas de sculpture, tirage tout naze. Qu'est-ce qu'il va me donner? Toujours pas de sculpture, c'est bien naze. Toujours pas de sculpture, hein, on est à 3 tours sans sculpture. Je vais faire 5 tours sans sculpture, ce serait propre, magnifique. Un tirage moisi comme celui-là, vous n'en voyez pas souvent, profitez-en. Ça fait plaisir, c'est pour moi. Donc j'en ai 5 là, je vais lui remettre un petit 3 tours pour le fun. Enfin, pas 5 tours pour le fun, enfin surtout pour pouvoir le débloquer. Et ça se trouve, je pourrais toujours pas le débloquer. Et franchement, c'est des tirages bien moisis. Je suis à 7 sculptures, si je dis pas de bêtises. 7. Est-ce que je vais aller plus loin? Je vais aller vérifier que je suis bien à 7 quand même. Regardons, vérifions que je suis bien à 7 sculptures. Je vais le débloquer de toute façon. Donc, je suis bien à 7 sculptures. Bon, je le finirai plus tard. Non, c'est pas là que je voulais aller. Je le finirai plus tard. Et on a la taverne de la chance. Il va me donner des étoiles pour avoir un bon tirage bien moisi. Non, du bois. C'est tout aussi pour... Si vous avez un tirage aussi moisi que moi, n'hésitez pas à me le partager en commentaire, voire me mettre des screens sur le Discord hein, pour qu'on rigole. Les amis, donc passons à Honda et les différents rapports. Honda, commandant, leadership, comme vous le savez. Leadership, polyvalence, compétence, que vaut-il? C'est ça la grosse question. Avec qui le mettre en binôme? Là, on tâtonne pas mal de rapports. Hein. J'en ai une dizaine à vous montrer. Hein. Vous allez voir, c'est des rapports équilibrés, sans stuff, vraiment en combinaison équivalente. Commençons tout de suite, hein, puisque normalement, leadership, polyvalence, compétence, c'est trois arbres très puissants. On devrait avoir quelque chose de propre. Premier rapport, vous le voyez, c'est donc notre ami le roi du chocolat avec Chandra qui affronte tout simplement Honda avec YSG. Pourquoi YSG? Parce qu'YSG peut faire un bon binôme. Et on le voit, regardez, Honda se fait péter la bouche. Alors l'écart, il n'est pas oufissime, hein. On est à 100 000 troupes des deux côtés. Vous voyez, hein, c'est vraiment quelque chose d'équivalent. 100 000 troupes des deux côtés, tous les commandants expertisés évidemment.
Eh bien, c'est de justesse le roi du chocolat qui l'emporte. Hein. Il lui reste 1743 troupes, ça fait presque 2% de troupes qui lui restent. Donc, c'est pas grand-chose sur un combat. On le voit en termes de blessés graves, c'est assez proche. Hein. Il n'y a qu'un écart de 500. 500, ça représente là pour le coup 0,5%. Donc, c'est pas grand-chose. S'il y avait 10 fois plus de troupes, eh bien, il vous suffit de multiplier tout par 10. C'est vrai, blessé léger, pareil, c'est presque équivalent. Il y a une défaite, je suis sûr que si on refait le combat, c'est pas sûr que le roi du chocolat gagne, c'est vraiment limite limite, mais ça nous donne déjà une première indication sur Honda avec YSG. Deuxième rapport les amis, alors ils sont tous hein, de ce niveau-là les rapports, on est sur des troupes limitées, contrôlées en nombre et surtout on est sur des commandants qui sont stuffés vraiment de la même manière, sinon ça biaise complètement les rapports. Honda Constantin, cette fois, avec la puissance de heal de Constantin, face à Xiang Yu et notre ami Chandra. Donc là, l'écart est plus important, à presque 3% de troupes qui restent au roi du chocolat. Alors, là déjà, ce binôme, on le voit en termes de blessés graves, il apporte plus, hein, presque 15 500 blessés graves du côté, donc près plus de 15% du côté de Honda. C'est normal, avec Constantin qui heal, on va manger ses dents. Là, ce binôme-là, je ne l'aurais pas conseillé. Hein. C'est bien d'avoir le test, mais moi, Honda, je ne l'aurais jamais mis Constantin. C'est sûr, vous alliez prendre cher. Face à de la cavalerie en plus, face au boss, l'un des boss de l'open field, Chandra, c'est sûr, ça allait manger. Donc, encore avantage à Chandra sur ce binôme-là, mais ce n'est pas le meilleur. Faudrait voir, par exemple, hein, avec Soliman, ce que ça donne, Honda Soliman, mais Soliman n'est pas encore disponible, il faudra attendre. Samedi, même pas, il faudra attendre dimanche pour voir les premiers rapports avec Soliman, j'imagine. Donc, on en reparlera la semaine prochaine. J'essaierai de vous faire la même chose. Troisième rapport à présent, les amis. On change encore une fois de binôme et cette fois, on met Honda avec Guan. Et on le voit, Honda avec Guan, c'est pareil. Ça mange ses dents face à Chandra et le roi du chocolat. La même chose, même correction. Le nombre de blessés graves est à peu près tout le temps équivalent du côté de Xiang Yu. On est toujours autour des 10 000, 11 000. Et de l'autre côté, ça mange sévèrement ses dents. On est repassé sous la barre des 15%, mais ce n'est pas oufissime comme rapport. Hein. On prend encore 14 554, soit 14,5% de blessés graves. Mais de l'autre côté, regardez le nombre de troupes qu'il reste. Du côté d'Oxonew, là, la correction est sévère. 25 000, il reste 25% de troupes à Xianyu. C'est énorme. Donc là, clairement, Honda Guan, ça ne fonctionne pas. C'est un binôme qui se fait éclataxe de ouf. Vraiment là, éclaté au troisième sous-sol. Donc si vous avez Honda, ne le mettez pas avec Guan. Faites ce que vous voulez, mais pas avec Guan. Sinon, vous allez prendre ultra cher. Quatrième rapport, les amis, et on continue de comparer. On ira voir l'arbre plus précisément après de Honda. Quatrième rapport, Honda Alexandre. Et là, on est sur la même base. Hein. Honda Alexandre, on a toujours la victoire de notre ami Chandra et Xiang Yu. J'ai eu du mal à le dire celui-là, de Chandra et Xiang Yu. J'ai trop l'habitude de l'appeler le roi du chocolat, c'est pour ça. On a quelque chose qui est équivalent, enfin qui est assez proche en termes de blessés graves, mais en troupes récentes, hein, 13 736. Donc là, Honda avec deux commandants infanterie qui sont vraiment bons pour le coup, hein, Alexandre et Guan, eh bien ça ne le fait pas face à de la cavalerie, surtout face à Xiang Yu. Ça passe pas du tout, ça mange ses dents et la correction est à chaque fois sévère, même si avec Alexandre, c'est beaucoup moins sévère qu'avec Guan. On continue donc, les amis, à présent avec un nouveau rapport et cette fois sur le binôme, c'est Honda. Alors là, c'est un binôme atypique, hein, avec Saladin. Honda, Saladin, on peut se dire c'est n'importe quoi, mais pourquoi pas, on le teste bien avec de l'infanterie, on le teste avec tout. C'est pour ça qu'ils sont intéressants et toujours face au boss de l'open field, Xian Yu et notre ami Chandra, on le voit. On a un rapport qui est entre Alexandre et Guan, donc c'est pas déconnant, Saladin, c'est un boss pour tanker, on le sait, mais là, on est en troupe mixte avec du leadership, donc forcément, c'est plus compliqué pour Saladin. On a presque 19% de troupes qui restent,
du côté de Xianyu. Donc, ce n'est pas, encore une fois, très performant. Ce n'est pas un beau binôme. Pour le moment, l'un des meilleurs binômes, c'est YSG1. Aussi étonnant que ça puisse paraître, YSG-Honda, c'est celui qui a pris le moins de corrections. Et je pense que c'est celui qui, selon les procs de compétences, peut vraiment gagner contre ce binôme-là. Alors après, c'est une question de chance, évidemment, aussi sur le proc. On continue donc à présent, nouveau binôme. Et on se retrouve avec, encore une fois, un binôme qui est intéressant à voir. Honda et Trajan, toujours face au roi du chocolat et Chandra. Là, on a un petit peu moins de blessés graves, puisqu'on retombe à 12,7% de blessés graves du côté de Honda. On retombe aussi en nombre de troupes restantes, 10% et demi. Mais ça reste quand même 10% et demi, c'est assez énorme. On n'est pas de l'ordre du pourcent ou de 2%, comme sur le tout premier rapport avec YSG. Donc là, encore une fois, je suis un peu déçu. Je pensais que Honda Trajan, ça pourrait mieux marcher. Mais Trajan, ce n'est pas un commandant d'open field. Hein. Trajan, c'est un commandant de soutien. On le sait. Donc bon, faudra voir par la suite ce que ça donnera sur les autres binômes. Mais pas étonnant que Trajan, comme Constantin, que ça ne fonctionne pas. On continue, les amis. Et cette fois, on passe à un autre binôme en défense. On est sur du Guan Alexandre. La Guan Alexandre, c'est un binôme classique, surtout sur les middle spenders ou certains free players. Hein. Et ben Honda Trajan pète la bouche hein, à Guan Alexandre. C'est pas surprenant. Guan Alexandre reste bon, mais ça nous montre que Honda Trajan, même s'il ne bat pas le roi de l'open field, Guan Alexandre, il l'éclate. Donc presque 10% de troupes qui restent. Hein. Donc c'est vraiment là, c'est net. Il n'y a pas de doute possible si on recommence le match. Le résultat sera probablement encore une fois le même et probablement encore une fois en faveur de Honda. Donc là, première information très intéressante. Hein. Xianyu, on n'arrive pas à le battre, mais Guan, il se fait péter la bouche. De toute façon, Xianyu, tout le monde ne l'a pas, heureusement pour nous, sinon ce serait compliqué en open field. On continue donc, on retourne sur Chandra et là, on inverse. Ce n'est plus Trajan en second et Honda en premier, et c'est très intéressant. C'est Trajan en premier et Honda en second. Ça passe, mais ça passe de justesse. Il reste 1500 troupes, 1,5% à peine de troupes. C'est vrai, en termes de blessés graves, hein, c'est vraiment très proche des deux côtés. Même il y en a moins du côté du roi du chocolat. Ça, c'est vraiment intéressant. Trajan en premier, Honda en second, ça gagne. L'inverse, ça perd. Donc là, est-ce que Honda ne serait pas meilleur en commandant secondaire plutôt qu'en commandant principal? Vraiment très très intéressant ce rapport. Je suis étonné moi-même de voir que Trajan en premier avec Honda en second, ça fonctionne. On prend le 9e rapport à présent, les amis, et on découvre un nouveau binôme. Encore une fois, un nouveau test avec Honda en premier et Trajan en second. On le voit encore une fois sur ce rapport, hein. Il n'y a pas photo, c'est encore une fois notre ami le roi du chocolat qui gagne. Donc il n'y a pas de doute, le binôme dans ce sens-là, il ne fonctionne pas. On finit les amis avec un dernier rapport, le 10e rapport pour le coup. Et là, on a un binôme assez atypique, hein. Honda YSS face toujours au roi du chocolat. Et là, c'est très étonnant. L'écart est très très net en faveur de Honda. C'est le plus gros écart qu'on a. 10% de troupes. Hein. On est un tout petit peu au-dessus de celui de Trajan, si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment énorme là. C'est assez intéressant de voir encore une fois qu'un binôme Honda YSS ou Trajan Honda gagne face à Xanyu et Chandra qui sont pourtant des boss en open field. Donc vraiment, ces rapports très très intéressants. Je pense qu'il y a d'autres binômes qui peuvent fonctionner également. Donc si vous voulez faire de l'open field avec Honda et pas de l'attaque de structure, les binômes qui ont été testés et qui semblent le mieux marcher, étonnamment, c'est avec YSS et donc avec Trajan, mais cette fois Honda en second. On va se pencher à présent sur les skills qu'on avait déjà vus. Et les arbres de Honda pour essayer de mieux comprendre ces rapports et voir si on peut le mettre avec d'autres commandants avec qui ça pourrait fonctionner.
Déjà, donc, Honda, leadership, polyvalence, compétences. Vraiment, l'arbre. Alors, on va tout de suite aller voir les arbres. Ah, je ne peux pas l'invoquer. Hein. On va tout de suite, parce que je vais faire, regardez. Je vais le débloquer, comme ça, je vais pouvoir l'invoquer et on va pouvoir regarder les arbres. Tac, on va refaire un lancer 5 fois tout de suite pour essayer de le débloquer. J'espère que je vais le débloquer et que je ne vais pas me prendre 50 tours pour le débloquer. Tac, 2 des étoiles, j'ai toujours des étoiles. Encore une sculpture, je suis à 8. Pas de sculpture, donc. C'est pas bon. Et encore une sculpture, je suis à 9 pour le coup. Allez, et on repart. Et on va passer l'animation. Et on repart sur 5 tours. Est-ce qu'il va me redonner une sculpture? Non, il veut pas que je le débloque. Allez, redonne-moi 5 tours encore. Et il veut définitivement pas que je le débloque. Bon, je vais pas y passer toutes mes gemmes non plus là-dessus. Puisque j'aurai des tours gratuits pour te redonner 5 sculptures. Bon, c'est un peu moisi. Mais on va pouvoir aller chercher l'arbre ailleurs. Je vais pas y passer toutes mes gemmes. Hein. L'arbre, regardez, on va prendre des arbres équivalents. On est donc sur de là. Alors, tac. On retourne sur de la polyvalence et de la compétence, c'est bien ça. Polyvalence, compétence. Donc en polyvalence, compétence, on en a plusieurs hein, qui sont comme ça. On a par exemple, alors on va le retrouver, on a YSG qui est en compétence. Donc l'arbre compétence va nous permettre, je retourne sur les talents, hein, d'aller chercher comme d'habitude le skill rajeunir. Je vous en avais parlé, il faut aller le chercher, c'est un très bon skill. Hein. Et de l'autre côté, l'arbre polyvalence. Alors, polyvalence, si je dis pas de bêtises, Constantin. Non, Constantin n'est pas polyvalence. Qui a-t-on en polyvalence? On cherche qui est polyvalence. Il n'y a pas beaucoup de commandes en polyvalence. On a Léonidas qui est polyvalence. Et si on va voir l'arbre des talents sur la polyvalence, si on va aller chercher un skill, évidemment, c'est coup du sort est très intéressant. Mais en général, on ne remplit pas l'arbre polyvalence. Hein. On s'arrête sur des boosts qui réduisent les dégâts, par exemple. Hein. Évidemment, on ne va pas chercher les boosts de récolte. Voilà pour les arbres. Vous avez vu hein, la malchance. Hein. J'ai fait 15 tours, j'ai claqué 10 000 gemmes et je ne peux même pas le débloquer. Pour le moment, j'ai que 9 sculptures. Au niveau des skills qu'on avait déjà vus, pourquoi on a un bon binôme avec certains et plus moisi avec d'autres? Déjà, regardez, rappelez-vous, la condition de rage est de 1350 quand sur Soliman, par exemple, elle est que de 1000. Et sur Edouard, qui était celui qui nous coûtait le plus cher en compétences, elle n'est que de 1300, si je ne dis pas de bêtises. Non, 1350 aussi. Donc ça a dû être augmenté de 50, dis donc. Je n'avais pas le souvenir que c'était 1350. Dites-moi ça en commentaire, les amis, vous qui avez la mémoire des chiffres. Est-ce que ça n'a pas été augmenté de 50 là? C'était pas 1300 avant. Donc 1350, c'est long à aller chercher. Donc déjà, c'est un premier indice qui explique pourquoi il faut qu'il soit avec des commandants plutôt robustes, sinon il va prendre cher. Et puis vous le voyez, hein, il fait une attaque en multiplicateur de dégâts et sur 3 cibles. Donc ça, c'est de la balle. Pareil, les troupes menées par ce commandant gagnent 3% de vitesse de marche, on s'en fout. 2% de vitesse d'attaque, c'est de la balle jusqu'à 10%. Et 10% supplémentaire pour l'attaque des troupes propres. Donc c'est normal que lorsqu'il tient, ça va piquer sur les attaques quand ils vont être cumulés avec un autre commandant qui va avoir des bonus. Les troupes menées par ce commandant subissent 1% de dégâts en moins. On avait déjà vu ce skill comme tous. Les troupes menées par ce commandant gagnent 2% de capacité de troupes. Ça te fait plaisir jusqu'à 10% et bonus de dégâts de compétences. Et surtout, l'expertise, quand les troupes menées par ce commandant subissent une attaque normale sur la carte, elles subissent 30% de dégâts en moins d'attaque. Donc c'est pour ça que les rapports que je vous ai montrés, c'est beaucoup, et c'est exclusivement même de l'attaque d'Open Field, car son expertise permet vraiment de monter en compétence sur l'Open Field. Ils vont subir 30% de dégâts en moins. Ça brûle, c'est énorme et c'est pour ça qu'il arrive à battre Xianyu lorsqu'il est en binôme en second et que Trajan est premier. Et lorsqu'il est en premier et qu'YSS est second, c'est des commandants qui vont aussi lui permettre de pouvoir bien maxer les dommages et surtout bien résister à Xianyu qui est quand même très puissant en Open Field. Pour moi, c'est l'un des meilleurs, c'est même le meilleur binôme d'Open Field actuellement. Selon moi, c'est pour ça que je l'ai monté. Évidemment, il y en a d'autres de très bons, mais vraiment, Xianyu est excellent. Honda me paraît donc un commandant intéressant. Je vous ramènerai d'autres rapports pour voir s'il est vraiment très intéressant au point de les débloquer. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, les amis, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis.
Et je vous dis à plus sur Rock.